Tu sais, j'ai été élevé pour un monde qui n'existait pas au dehors des jardins, des grands jardins, des châteaux, des maisons de ma famille maternelle. Ils m'ont dit que le monde à l'extérieur aurait été de gentils hommes, de gentilles femmes, de l'honneur, de la patrie, des drapeaux. Et quand je suis sorti, il y avait les brigades rouges qui tuaient les gens, il y avait les noirs qui mettaient les bombes dans les trains en Italie. C'est On a été élevés, moi et mes frères et sœurs, d'une façon un peu militaire, si tu veux. La famille Visconti surtout. Moi, ils ont tenté de m'enlever les brigades rouges à l'époque. Tu vois, j'ai réussi à ne pas tomber dans le piège, disons. Je suis rentré à la maison, je racontais ça à ma mère. Et ma mère m'a dit, alors, trois choses, Giovanni. Je t'achète pas un pistolet parce que tu vas te faire mal. Je prends pas des gardes du corps parce que c'est un message pour dire enlevez-moi. Et troisième, le pays est dans les difficultés et nous, je t'envoie pas à l'étranger comme toute la génération des riches de Milan. Mais nous, quand on a un problème dans le pays, on reste dans le pays. Mais je me suis retrouvé dans un monde qui j'avais pas les moyens pour vivre dans ce monde. Donc, j'ai décidé à 17 ans de descendre dans une cave et parler du monde qui n'existait pas, qui n'existait plus. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai créé un monde parallèle où je me sens chez moi et je sors vraiment rarement dans la réalité, tu vois. J'ai coupé les contacts avec la réalité, ça fait longtemps.